Une image vaut mieux que mille mots. Que doit-on ajouter lorsque l'on voit ces images? Cette vidéo a été tournée par des patriotes congolais, plus précisément dans la localité de la Likwala, à Ibenga. Voilà le spectacle de la torture. Ici, nous sommes au CG d'Ibenga. Le CG d'Ibenga, qui doit avoir 3 salles de classe. Là, nous en avons visité 2. Il reste peut-être la troisième. Il y a eu un cours d'anglais vendredi parce que ici on lit bien Friday, May 24 et 2021. Voilà. Voilà, comprenez comme ça. Il faut nous comprendre. Classwork, English. Voilà, c'est le cours qu'il y a eu. Le vendredi, aujourd'hui on est dimanche, c'est normal, ça veut dire que vendredi il y a eu. Et ça, c'est le collège du pays. Donc, ils vivent ensemble. Doit-on pleurer ou en rire? À quoi sert l'argent du pétrole congolais? Tout pour la famille Sassou Nguesso, rien pour le peuple. N'êtes-vous pas indigné de voir ces images aussi humiliantes d'un Congo riche en ressources naturelles? Comment peut-on accepter une telle humiliation imposé aux Congolais par un homme et sa famille biologique, qui a érigé le tribalisme en un culte d'État. Est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Ces images sont d'une rare violence lorsque l'on connaît le Congo des années 70, 80. Par la même occasion, nous avons vu comment le village natal du dictateur Denis Sassou Nguesso, Oyo, a connu une construction accélérée des infrastructures modernes. Comment peut-on justifier un tel désintérêt d'autres régions? Le problème du Congo, c'est Sassou Nguesso et sa famille biologique, qui ont pris en otage tout un pays pour leur jouissance familiale. Il appartient aux militaires congolais, à des patriotes congolais, d'en découdre. Le peuple vous regarde. Denis Sassou Nguesso, ange ou démon? Pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse.